Les prairies et les champs de riz environnants de la province de Kampong Thom sont d'une extrême importance pour la conservation de la faune. Ces zones retiennent la plus grande population mondiale de l'outard du Bengale en danger. Reportage de Soïsetir. Les animaux sauvages doivent être protégés lorsqu'ils sont menacés par l'homme. Les conséquences de la guerre civile et de la déforestation illustrent parfaitement l'amplitude du problème. Aujourd'hui, le braconnage et les coupes de bois illégales contribuent à l'extermination de certaines espèces et ne rien tenter pour maîtriser le problème, c'est mépriser la faune. Conscient de l'urgence des mesures à appliquer, le gouvernement a interdit le braconnage. Plusieurs organisations non gouvernementales, elles aussi, travaillent étroitement avec le gouvernement pour la préservation de la faune au Cambodge. L'outarde du Bengale est un oiseau dont la survie de l'espèce est menacée, car cet oiseau est très rare et encore chassé. La raison majeure de notre intérêt pour cet oiseau est qu'il est très rare et considéré comme étant en danger de disparition par plusieurs autorités du monde. Il ne vit qu'en Inde, au Népal et au Cambodge. En Inde et au Népal, ils sont plusieurs centaines et au Cambodge, on pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux, entre 500 et 2000. Pour cette raison, le Cambodge est le lieu privilégié pour étudier cette espèce. Cet oiseau est représentatif des volatiles vivant dans les zones herbeuses, zones qui en général sont en déclin en Asie du Sud-Est. Le Cambodge est encore un pays où l'on trouve largement ce type d'habitat, dans lequel la végétation est utilisée par la population locale pour construire les palissades, des toits, etc. Nous avons donc ici un système traditionnel d'utilisation des terrains sur lesquels vivent encore beaucoup d'oiseaux, car le paysage ne s'est pas beaucoup transformé. Et nous travaillons pour conserver cet écosystème pour les générations futures. 500 à 2000 outardes du Bengale vivent dans les provinces bordant le lac Tonlé Sap, en particulier dans la province de Kampong Thom, à 196 km au nord de Phnom Penh. On peut rencontrer l'outarde du Bengale ici à Krug Krom. Sa population est estimée à une centaine. Pete Davidson est anglais et cela fait 2 ans qu'il vient ici pour les observer. En coopération avec le département des forêts, lui et son homologue cambodgien effectuent une mission mensuelle. L'objectif est de convaincre les paysans à ne plus chasser cet oiseau. L'outarde du Bengale ne vit pas en permanence ici. À la saison des pluies, ils immigrent au pied de la montagne de Santok dans la même province. L'outarde du Bengale ne se plaît que dans les terrains secs recouverts d'herbe. À Krug Krom, on peut le voir à partir de janvier jusqu'à mai. Le reste du temps, il doit se réfugier autour de la montagne de Santok, dont la forêt le protège des prédateurs. Selon les études du groupe d'experts en vie animale, l'espèce que représente l'outarde du Bengale est en danger. Cet oiseau doit être classé dans les espèces protégées.
Nous sommes ici dans la commune de Trojeul, où les villageois vivent à la fois de la rivière et de la chasse. Face aux menaces qui pèsent sur l'Outarde, l'Association pour la préservation des animaux sauvages est présente dans cette commune depuis 2 ans et mène une vaste campagne d'information auprès des habitants afin qu'ils cessent de pratiquer le braconnage. J'ai expliqué aux habitants du village des raisons pour lesquelles nous devons protéger cet oiseau. J'ai mis l'accent sur la rareté de cet oiseau. Certains villageois ne connaissent même pas son existence. Nous aussi, nous avons des mesures strictes à faire appliquer. Nous avons établi un réseau dans toute la région afin de juger des villageois de Trojeul qui ne chassent plus. Après 2 ans de travail, l'association recueille ses premiers fruits. Selon les autorités, plus de 90% des habitants du village ont abandonné la chasse pour choisir une autre source de profit. Il y a 2 ans, on pouvait trouver ici à l'étalage toutes sortes de gibiers, surtout parmi les volatiles. Aujourd'hui, les espèces protégées ne sont plus commercialisées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.